L'investissement minimum pour les parts de SCPI, c'est 200 euros. 200 euros, c'est accessible à tous. Évidemment, on peut mettre plus. Il n'y a pas non plus d'obligation de mettre tous les mois, mais on peut décider de mettre 200 euros tous les mois, ou alors mettre 20 000 euros, par exemple, l'année prochaine, et puis pourquoi pas dans 2 ans. Comparé à un investissement immobilier classique, un appartement, un studio, évidemment, c'est dérisoire et c'est accessible à tous. De la même manière qu'on peut acheter des parts de SCPI au comptant, on peut également les acheter par emprunt. On les achète par emprunt à partir de 50 000 euros. Les banques ne financent pas en dessous. Donc j'achète à partir de 50 000 euros et pour avoir un ordre d'idée, évidemment, 50 000 euros, ça nécessite 150 euros d'effort d'épargne par mois. Donc c'est relativement accessible. Et par ailleurs, acheter des parts de SCPI à crédit, par emprunt, ça permet de profiter de l'effet de levier du crédit et donc d'optimiser la fiscalité sur les revenus.